Sensation. Sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. S'il existe de nombreux mouvements féministes, les citoyens et citoyennes sont parfois perdus dans les idées défendues. Et pour une meilleure égalité et un meilleur respect du droit des femmes, les enfants doivent également être sensibilisés. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Julia Pietri. Vous êtes autrice féministe et créatrice de contenu sur Instagram. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Julia Pietri, vous avez notamment créé votre propre maison d'édition Better Call Julia. Vous avez publié également le petit guide de la masturbation féminine et vous avez fondé le premier salon du livre féministe à Paris qui revient le 2 mars 2024. Pourquoi le féminisme est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ? Alors le féminisme, c'est un sujet qui me tient à cœur, tout simplement parce que si on veut réussir à faire société entre les hommes et les femmes, si on veut réussir à faire famille, si on veut réussir à construire quelque chose ensemble, il va falloir que tout le monde s'intéresse au féminisme, parce que le féminisme, c'est l'égalité. Et pour que tout le monde puisse s'épanouir, il va falloir vraiment que tout le monde puisse vivre de manière égalitaire. Voilà, donc c'est un sujet pour moi en tant que femme qui m'intéresse, me bouleverse chaque jour, parce que plus en fait on s'intéresse au féminisme, plus finalement on se rend compte à quel point nous sommes conditionnés à devenir, à se construire selon notre genre, selon notre sexe. Et ce qui nous enlève beaucoup de liberté à nous les femmes et aussi aux hommes de devoir finalement coller aux stéréotypes de genre qui vont être pour les femmes s'occuper des enfants, féminines, se maquiller, porter des talons, et puis pour les hommes de la même façon avoir des stéréotypes sexistes, les hommes n'ont pas le droit de pleurer, c'est mal vu, les hommes n'ont pas le droit d'exprimer leur sensibilité, les hommes doivent être forts, les hommes doivent être protecteurs, etc., etc. Et donc je trouve que s'intéresser au féminisme, eh bien ça fait du bien. Justement, pour essayer de synthétiser hein, tout ce que vous venez de dire, pour vous, quelle est la définition simple du féminisme ? Quelles sont les idées que vous défendez ? Alors moi, la phrase que j'adore, c'est « le féminisme, ce n'est pas contre les hommes, c'est contre le sexisme », parce que pour moi, le féminisme, c'est vraiment pour les femmes et pour les hommes. Pour moi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé aux femmes aigries qui n'aiment ni le sexe ni les hommes et qui ont un chat. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous êtes également derrière le compte Instagram « Gang du Clito ». Quel contenu pouvons-nous justement retrouver sur ce compte ? Alors tous les jours, je poste des contenus qui parlent d'égalité. L'idée, c'est d'amener de l'humour dans la déconstruction, d'aller parfois choquer, parfois interpeller, mais en tout cas toujours essayer de détricoter la pelote de laine, d'intéresser les jeunes, de se dire « Ah tiens, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. » Et en fait, c'est un éveil au féminisme. C'est vraiment une porte ouverte à l'égalité pour que finalement chaque jour, on ait un petit tip supplémentaire qui nous permet d'agrémenter en fait notre vie et de se dire « Ah oui, tiens, ça, je ne le savais pas et pourtant, ça m'interpelle, c'est intéressant. » Voilà. Si vous voulez un exemple. Allez-y, oui. Par exemple, sur le mot sorcière, je trouve ça très intéressant parce que moi, par exemple, le féminisme me faisait peur et pour moi, les sorcières, ça a toujours été quelque chose de négatif. C'est des femmes qui étaient très moches avec des verrues sur le nez et qui étaient méchantes. Alors que quand on s'intéresse au féminisme dans l'histoire, on comprend qu'en fait, non, les sorcières, c'était les femmes qui avaient été finalement les premières à désobéir, les femmes qui n'avaient pas voulu se marier, les femmes qui avaient voulu apprendre la science, les femmes qui avaient voulu être libres. Et on les avait définies comme voilà, des sorcières, des femmes méchantes, etc. dans la culture patriarcale. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend l'effet miroir et on s'intéresse justement à tout ce qui peut être déconstruction et de remettre, de relire l'histoire avec un prisme beaucoup plus égalitaire. Et je trouve ça intéressant. Et parmi les sujets que vous abordez, celui du consentement, notamment le consentement expliqué aux enfants. Alors comment est-ce que vous procédez justement pour avoir une certaine pédagogie sur une telle thématique ? Eh bien tout simplement, en fait, on a tous été enfants.
Ça, c'est un truc, voilà. Je pense que tous ceux qui, toutes celles qui nous écoutent ont été enfants et il faut se rappeler un peu l'enfant qu'on était. Et moi, j'écris ces livres, quand j'écris pour les enfants, voilà, je repense tout, vraiment, je repense à l'enfant que j'étais. Et c'est très important, je pense, de faire cet exercice-là, puisque ça m'a permis, en fait, d'écrire le livre que j'aurais adoré avoir enfant. J'ai écrit des livres que j'aurais adoré avoir adolescente, tout simplement en remettant dans la peau d'une enfant ou d'une adolescente. Et du coup, à partir de là, c'est beaucoup plus facile, en fait, de trouver les réponses, parce qu'elles sont en nous. En fait, on oublie parfois qu'on a été enfant. Et ça, je trouve que c'est important finalement de rappeler voilà, qu'on a toutes ces réponses en nous, qu'on a tous été enfants et qu'on sait tous finalement ce dont on a eu besoin à un moment donné. Le consentement touche les enfants, mais également les adultes en couple. Notamment, certaines femmes se forcent à coucher avec leur partenaire quand il en a envie pour, en quelque sorte, lui faire plaisir ou parce que ce dernier insiste. Au-delà du consentement, il y a donc évidemment un débat autour du viol. Mais être en couple, est-ce que ça veut dire devoir coucher à chaque fois que l'autre a envie? Alors là, je dis non, 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 et bien sûr, triple non. En fait, il n'y a pas de devoir conjugal. Ça aussi, le devoir conjugal, c'est un concept qui vient du patriarcat, hein, sur la domination masculine, qui était à l'époque l'idée qu'une fois qu'on était en couple, qu'on était marié, on avait des devoirs sexuels. On devait s'offrir à son mari, etc. Et inversement, on devait s'offrir à sa femme. Pas du tout. Légalement, il n'y a aucune obligation. Et au contraire, c'est même puni par la loi. C'est-à-dire que obliger sa compagne ou son conjoint à avoir un rapport sexuel non consenti, c'est un viol conjugal. Donc c'est très grave, c'est puni par la loi. Enfin, voilà, c'est vraiment pas concevable. Donc c'est important de se rendre compte que le consentement, c'est pour ça que je veux l'apprendre aux enfants et dès le plus jeune âge, si on se construit et on grandit avec cette notion que moi, par exemple, dans ma génération, on n'avait pas apprise, hein. C'est important de savoir dire oui, c'est important de savoir dire non. Et parce que sinon, finalement, voilà, on arrive à des schémas de couple, même aujourd'hui, quand on est plus âgé, avec des personnes qui se sentent obligées, parfois sans violence, hein, de se dire je suis obligée, voilà, c'est pour faire plaisir, je vais céder. Alors que non, ça, en fait, c'est pas possible il faut vraiment travailler là-dessus, de se dire, en fait, je dois faire les choses pour moi, je dois faire les choses parce que j'en ai envie, je n'ai pas de devoir parce que je suis une femme, je n'ai pas de devoir parce que je suis un homme, et en aucun cas, je n'ai de devoir parce que je suis mariée. C'est très important de le redire. Vous vous penchez également sur l'éducation sexuelle sans sexisme. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, l'éducation sexuelle sans sexisme, ça signifie de recréer des livres et des outils pédagogiques en travaillant pour enlever toutes les représentations, toutes les notions sexistes qui sont dans les livres jeunesse, qui sont dans nos outils pédagogiques. C'est-à-dire, par exemple, je pense qu'on a tous eu dans notre jeunesse des livres où les petites filles étaient habillées en rose, les petits garçons étaient tout le temps habillés en bleu, les petits garçons étaient forts et les petites filles cherchaient un prince et se mariaient. On a tous lu sur la puberté que, par exemple, les femmes ont moins le sexe que les hommes, que c'était normal d'avoir mal la première fois qu'on avait une relation sexuelle, etc. Alors que tout ça est totalement faux, puisque par exemple dans les schémas sexuels aujourd'hui, la pénétration automatique, c'est un schéma qui est un schéma reproductif, ce n'est pas un schéma de plaisir, puisque quand on sait aujourd'hui que les femmes, l'organe qui va leur procurer du plaisir, c'est le clitoris, on comprend très bien que ce n'est pas dans le vagin que le plaisir va se faire. Du coup, il y a plein de comme ça de choses à démentir, à expliquer, parce que c'est scientifiquement prouvé. Mais c'est des choses que, voilà, on a reproduit, reproduit, reproduit pendant des années. Et donc, c'est très dur, en fait, de se dire, ah bon? Ah, ok, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut faire l'amour. Ah, okay, c'est pas comme ça qu'on peut jouir. Ah, ok, c'est pas normal d'avoir mal quand on a un rapport sexuel. Donc, voilà, toutes ces questions-là qui sont extrêmement importantes pour la santé mentale et la santé sexuelle de toutes et de tous. Et ben, en fait, l'idée, c'est de les intégrer dans les nouveaux outils, voilà, dans les livres, dans les outils pédagogiques, pour que enfin on se dise, ah,
quelqu'un puisse dire, ah oui, bah, tu vois, c'est pas normal en fait. Et ce sont C'est pas des normal questions. pendant les règles voilà, un médecin ne peut plus dire aujourd'hui, oui, c'est normal, tu as tes règles et reste avec ta douleur. Non, ce n'est pas normal. Et ce sont des questions qu'on peut notamment retrouver sur votre compte Instagram, donc Gang du Clito. Merci beaucoup Julia Pietri d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes autrice féministe et créatrice de contenu sur Instagram. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.